Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui. Les hommages, bien sûr, pluie d'hommages depuis hier à Charles Aznavour, Jean-Mathieu. Mais il fut une époque où le chanteur n'était pas forcément dans les petits papiers des autorités. Et oui, parce que c'est un rayonnement unique, a déclaré le président de la République à propos de l'interprète de la Bohème, avant de s'entendre dire par Gérard Collomb, Emmanuel, tu te laisses aller. Mais est-ce qu'on célébrerait pas la mémoire d'un chanteur, un brin coquin, hein, un brin turlupin? Ça, c'était le point de vue de la censure dans les années 50. Enfin, de la censure, il n'y en a jamais eu en France, bien sûr. Hein. Plutôt le comité d'écoute de la radio-télédivision française, en fait l'ancêtre de Radio France où nous sommes. Trois titres d'Aznavour ont heurté les oreilles fragiles et prudes de ce comité qui, avec un gros tampon, validait les interdictions de diffusion. Nous sommes en 1955 et Aznavour sort Après l'amour. Après l'amour, quand nos corps se détendent. Après l'amour. Voilà, quand nos corps se détendent, ça passe pas du tout. Voilà, c'est une chanson sur un couple qui vient de faire l'amour. Hein. Les cuisses fermes de Monsieur Charles ne viendront pas perturber la bonne marche du pays. On est rassurés. Mais comme tout obsédé de la langue bien pendue, Charles Aznavour récidive avec « Je veux te dire adieu », une chanson sur la femme adultère et les coups de poignard dans le palpitant, des mots dignes des plus grands pornographes comme « Puisqu'un autre que moi peut arracher tes plaintes », faisant jaillir de toi des râles et des mots. Est-ce qu'on a eu pire depuis ? Oui, mais quand même, hein, ça va. Et quand ces deux chansons sortent sur le même disque, c'est l'interdiction aux moins de 16 ans. Et oui, à l'époque, on interdisait les 45 tours aux moins de 16 ans. Et Aznavour hérite d'un surnom qui aurait pu l'amener à faire carrière dans un autre domaine, le crucifié du traversin. Voilà, alors pourquoi s'arrêter là? Puisqu'un an plus tard, en 1956, le cas Aznavour tombe de nouveau entre les mains moites et les pensées forcément pures et désintéressées du comité d'éthique avec ce titre « Moi, je fais mon rond ». Moi, je fais mon rond, je tire ma flemme, de me crever, je n'ai aucune raison. Depuis que ma panthère est en brème. Alors là, ça c'est l'histoire d'un proxénète et d'une prostituée qui arpente les trottoirs de Paname avec des rimes donc en argot parisien et toutes ces métaphores hein, oui, que l'on comprend petit à petit. Croustillante. Bah, vous avez vraiment les pensées de mal placées. Hein, pas du tout. Et pour la censure, enfin pardon, le comité d'écoute de la radio-télédiffusion, ce n'est pas possible de passer ça à l'antenne interdiction. Ce sera la dernière fois qu'Aznavour connaîtra les affres de l'interdiction. Des chansons à la plume sympathique, mais assez loin de textes audacieux tels comme ils disent. Et quand on voit la qualité d'artiste censuré, on peut s'inquiéter pour ceux qui ne l'ont pas été. Aznavour est donc rentré assez tôt dans la légende. Et c'est très savoureux de réécouter tout ça aujourd'hui. Heureusement que la censure n'a pas arrêté le grand Charles Aznavour. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. À demain.